On est très loin derrière. Le pays est plus que jamais divisé. De Dessalines à Jovenel Moïse, de Charlot Jacquelin à Maître Dorval, de tous ces noms retentissants au sein anonyme dont on ignore les visages et les noms, nous avons fait le douloureux choix de gérer nos différentes opinions par le même. Secteur politique là, tourné en jungle, un champ bataille, chien magicien, côté tout le monde a perdu. Même constat pour Père Grandois qui continue à militer pour respect de l'homme, regrette sans continuer à couler dans le quartier populaire. Vice-président académique a posé tête les questions sous bonne volonté politicien yo, qui semble pas gagner une petite calme conscience. Je dis à vous, plutôt parler national, l'arrêté vide, mon petit bout de temps, parce que vous la continuez à abriter voleurs, piégeurs, démagogues, à politiciens sans conscience, qui a conduit le pays à notre tête falaise. Il y a combien de diables bâtards qui viennent chita dans ces belles têtes politiciens qui empêchaient faire alliance pour nous reconstruire le pays à dans notre base, dans même ligne qui te permet d'être noué à Grimaud, viennent faire un seul pour casser chaîne l'esclavage là. Malgré constat ça, Charlot Jacquelin Junior Kouen, Massieu Padou Pédi Fri Sacrifice sa. Yon jou lab jou, kote tout roche ou ap nodlou, pap gen yon kap nan soleil. Zasek yo pap pedi bataille yo te mene yon. Massieu, pap pedi sacrifice yo fè pou la vie milyon. Papa Haïtien, pap pedi wout li. Ni, ni pap pedi plasti nan l'histoire. Yon rapil, si la yon ki mouri ou bien disparèt, nan trou politik apre bataille 86 la, poutan, pepla te kouen, krim, assassinat politik te fini. Si yon ta pran cité, nous pas jamais fini cité non jeune femme avec jeune garçon qui disparaît c'est tout dans quartier populaire tant que cité soleil Belin Rabouto et Latrier là encore dans trois dernières années nous perdons pas quatre autres monde tant que Némi Joseph Antoinette Duclerc Monferri Doval et Latrier est-ce qu'un jour et qu'on est pendant tout week-end là nouvelle lance et situation compatriotes nous yo dans pays États-Unis qui ont même à traverser les frontières Mexique pour arriver aux États-Unis. On a parlé de Texas précisément, bien autorité américaine yo décidé là Kembela les portes 13 plusieurs milliers migrants mais pas pile là aussi haïtien et yo décidé tout voye pimpé pas boy site en pile compatriotes haïtiens ça qui depuis hier dimanche là yo commencé avec 10 questions déportation. États-Unis déporté environ 290 haïtiens hier dimanche dans l'aéroport Toussaint-Louverty. Majorité là d'ailleurs sorti Chili à Brésil, t'est rentré illégal sous territoire américain dans zone Texas. Une déportation illégale d'après quelques compatriotes sa yo qui critiquent le comportement d'État haïtien. Yo dit qui a accepté États-Unis pousser de sans aucun principe pas respecté. Haïtien sa yo fait qu'on est yo passé plusieurs jours en prison avant de mettre yo un avion forcé au tourner en Haïti. En côté quelques là on a micro collaborateur nous Jean-Philippe Massé. Moi j'ai 6 ans Chili, pendant mon Chili, j'ai accès au yo ben opportunité de pour faire petite dans pays là ou quand rentrer États-Unis, il y a bon TPS à cause de ça moi rentrer avec petite moi. Les rentrer immigration États-Unis prend, yo fait dossier pour moi. Après yo mettre moi en salle pour me tendre yo mon analyser dossier là, il pendant y a pas analyser, il aurait l'aime pendant deux fois pour yo libérer. Après yo tourner à dossier là, yo pas libérer. Après na demain matin yo vini yo cité nom yo transféré mi l'autre côté après yo metté m'n avion yo dit comme ça yo va le Florida avec yo va le jeune famille et puis l'aime garder moi c'est Haïti venir sans que yo pas bon mes lettres de déportation bon pour bien dire ça coûte nous en pile pour moi même il coûte 10 000 $ est-ce que ça même toute famille qui était pour nous toute famille parce que c'est famille yo m'a dit États-Unis c'est famille depuis arriver à famille y a libéré vite. Bon, pour bien dire, nous-mêmes qui victimes de ça, c'est l'État haïtien qui cause ça. Parce que nous n'avons pas un pays dans le monde pour passer une lettre de déportation pour nous déporter. L'État haïtien signe une déportation pour nous, nous-mêmes ça ne nous connaissons pas. Signe une déportation pour nous. Oui, il signe une déportation pour nous parce que nous avons une lettre de déportation. Moi, l'État pays et la petite monde pas lever là, je obligé à aller. Je suis pas pour la route là, pour faire aller, donc c'est 10 000 $ américains en tout. Pas bon tout non, mettez le 10 000 $ environ, il y a quand même plus. Mon cher, route là c'est route machine niée, c'est passé par Bolivie, Pérou, Colombie, tout pays là pour entrer par Panama. Mais côté route là qui est pour le Bladens, c'est dans forêt. Dans forêt, on va passer dans l'eau. Et là, il y a un problème. Vous savez, les routes mortelles. Vous passez là où vous vivez, vous savez où. Et vous regardez où ça. Dans l'ouvrier Mexique, on est là. Il y a une liberté, on est là. Liberté qui est là pour tout le monde. Entrez sur le frontière américain. Dans la fête de votre fête, illégalement.
Parce que à minuit, ils ont sorti avec nous, ils ont suivi les gens pour nous parler. Là, ils viennent à l'époque là, c'est où ils parlent d'app chercher, ils cherchent pour nous mettre nous aller pour nous parler. Là, que nous, ils viennent, nous pas descendre, descendre. Ils font un genre pour nous calmer, nous, ils ferment tout, ils ferment bien sûr avec nous. Tout bagarre, même battre mesdames, ils même battre mesdames, battre messieurs, américains, prends minute, gros minute, foutre mesdames, coûte minute, messieurs, coûte minute. Barre tête chargée. Nous vivons aux États-Unis, fermez nous pour nous capturer la guerre. Fermez nous dans la prison. Nous faisons 4 jours dans la prison, 4 jours sans bosser, sans bien faire. Et nous avons un petit moment, ils ont sous la tête. Nous sales, nous sommes tout le monde après, tout le monde sale. Bon, son Haïti qui était très loin depuis 2013. Je prête à Haïti, je vais à Haïti parce que nous avons oublié le système de vie à Haïti avant bien. Mon cher ancien, je vais promis à Haïti. Je vais aller au Chili. Parce que je vais définitivement tout le bagage, ça fait les résidences permanentes. Définitivement, je vais tout le bagage. 6 heures. On a écouté intervention plusieurs compatriotes haïtiens, ben autorité américaine yo déporté plusieurs là d'ailleurs fait connait ces $10,000 yo dépensé mais on a là c'est au lieu atterri États-Unis c'est ici tu atterri. Et ces 6 vols par jour Haïti a bien pour recevoir dans des aéroports internationaux d'après coordonnateur général Office national immigration Jean-Nego Bonheur qui fait connait ONM mobilisé pour porter assistance by déporté ça yo qui continue venir dans pays en côté le micro Jean-Philippe Massin. Ce sont quand même nos compatriotes. C'est vrai que la situation est vraiment compliquée en Haïti. Je vous le concède. Mais cependant, puisque l'ONM est là pour accueillir les migrants de retour forcé, nos équipes seront partout, que ce soit à travers l'aéroport de Port-au-Prince, que ce soit à travers l'aéroport du Cap. Et laissez-moi vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, on aura à recevoir 3 vols au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince et 3 autres au niveau de l'aéroport du Cap. Donc ça veut dire que c'est 6 vols par jour que l'ONM aura à recevoir et sur Haïti. Vous voyez, donc nos équipes sont déjà mobilisées à travers tous ces deux aéroports-là, justement, pour accueillir les migrants de retour forcé. Mais le problème, c'est que les gens n'acceptent pas le retour forcé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont laissé le pays, parce qu'ils ne voulaient plus vivre à Haïti. Donc ça veut dire de toutes les façons, même quand on disposerait normalement d'un centre le plus grand, le plus vaste au monde, le plus bien équipé au monde, ils n'allaient pas accepter. Parce que pour eux, Haïti, c'est l'enfer. Haïti, c'est le problème. Mais nous autres, nous avons le devoir, comme je viens de vous le dire, d'accueillir nos migrants dans la dignité. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Auparavant, à mon arrivée, les gens cessaient de vous à se faire enregistrer. Mais aujourd'hui, non seulement ils attendent, ils ne sont plus exposés au soleil, mais aussi il y a des sièges qui peuvent s'asseoir. Vous voyez, et il y a quelque chose aussi qu'on leur donne à manger. Donc c'est pour vous dire que nous autres, au niveau de l'Office national de la migration, sommes très conscients de la situation et nous essayons de faire de tout, et nous essayons de faire de tout notre mieux, justement pour venir en aide aux migrants de retour forcés en Haïti. À partir de demain, ce sont 6 vols par jour qui vont revenir depuis les États-Unis vers Haïti. À partir de mardi, ce seront vraiment 6 vols. Pour demain, on reçoit encore ici à Port-au-Prince, demain le 8, mais à partir de mardi, on recevra non seulement à Port-au-Prince, mais aussi à l'aéroport du Cap-Haïtien. Et voilà, ça c'est déclaration coordonnateur général ONM nan, qui c'est Jean Nego au bonheur lui-même qui t'a parlé à l'ami co-collaborateur nous Jean-Philippe Masséan gagnant Andy ambassadeur Haïti accrédité dans pays États-Unis qui c'est Edmond Bouchit mais qui lui-même écrit ce contributeur liste face à situation ça bien ambassade là suivre avec la peine tribulation free access nous yo en bas pont non frontière pays Mexique avec États-Unis nous déjà écrit autorité américaine yo, DHS Grove sur CASA et nous avons travaillé avec quelques organisations qui ont supporté immigrants pour nous assurer que les droits à la dignité respectés à qui ont traitement selon ça, la loi a dit. Et c'est ça comme parole Edmond Bouchit lui-même l'a dit, qui est ambassadeur Haïti accrédité dans le pays États-Unis, mais dans tout c'était ancien ministre Affaires étrangères à culte. Toujours dans le même dossier, ça, faut nous dire NBC News qui était annoncé semaine passée. Hein? Administration Biden non apparaît pour augmenter déportation haïtienne qui illégale. Autorité américaine a mis 10 avions disponibles seulement pour déportation. Gain 8 cap commencé semaine ça selon médias américains si là. Situation compatriote haïtien que autorité américaine a pimpé voué par ban en Haïti. Gain un premier ministre paysan qui c'est Dr Ariel Henry qui exprimé tête chargée gain devant situation ça. Chef gouvernement fait qu'on a passé instruction by autorité
autorités haïtiennes concernées ici de le bord de l'eau pour enquêter sur situation ça. Et bien, je viens famille pour accompagner les compatriotes. Ariel Henry continue à demander tête ensemble pour pays qui a une stabilité dans organiser l'élection pour empêcher petit pays à continuer à quitter pour mauvais la vie. En côté, chef gouvernement paysan, Dr. Ariel Henry. Problème action ici, tant qu'on l'autre bord de l'eau. C'est avec un peu la peine. N'a regardé sur les réseaux sociaux, ak nan télévision, et puis n'a attendu dans la radio, tribulation ak pénitence, frais ak chenou ap subi nan frontière pays Mexique ak États-Unis. Image sa yo si met la troublage nan ke nou, et puis toucher dignité tout haïtien. Qu'est-ce que soit sa yo pense, quel que soit côté yo. Pendant n'a constaté bal cité frais ak chenou yo dans le pays sa yo, c'est une obligation pour moi, comme chef gouvernement, pour porter tout support par l'organisation et les gens qui travaillent avec les migrants. Depuis le monde des mondes, tu es toujours des migrants avec les immigrants. C'est pour ça que je passe l'instruction à toute autorité haïtienne, ici, comme l'autre bobo, qui concerne la question ça, pour mener bonne enquête et faire bonne évaluation situation pour faire une proposition rapide au presto pour nous voir qui gens pour nous accompagner frère actionnaux dans malais pendant ça frère action haïtien on nous mettait tête nous ensemble pour nous capable vivre bien la caille nous sans que nous pas prendre honte ça yo frère action bio. On met les têtes ensemble pour nous bâtir un autre pays côté tout petit peuple là capable de vivre tant qu'on nous. Nous reconnaître que pays noir a un pile problème. C'est pour ça, m'a fait tout ça qui n'a pouvoir main. Même Jean, président Jovenel Moïse, demande ça pour mettre sous pied bonne structure pour organiser élection libre et honnête pour la paix qu'a blahi dans tout pays. Et puis comme ça, yon allé mieux pour tout le monde sans distinction. Malgré crabe la pagra, nous décidons pour nous accompagner frère Axenou qui a tourné la caille dans le pays yo, pour capable recommencer à organiser comme ça doit. Frère Axenou, moi partager souffrance nous à toute peine que nous avons endurée. Et m'a demandé tout haïtien et haïtienne à la ronde bade pour bâtir un pays à une chance. M'a dit nous, la caille a un problème, c'est vrai. Mais la caille, c'est la caille. Que bon Dieu bénit Haïti. Selon un communiqué ministère des Affaires étrangères, une délégation qui est en tête du ministre Claude Joseph rencontré jeudi passé à l'Institut national migration dans le pays Mexique. La situation migratoire, le traitement, demande d'asile, opération rapatriement, c'est quelques parmi points qui étaient discutés dans la rencontre. Si là, tous les parties entendues pour résoudre le problème haïtien légal qui trouve dans le pays Mexique. Un tab dialogue bilatéral mettait sous pied pour continuer la discussion. D'après même communiqué, ça qui rappelait, la délégation a été trouvée dans le pays Mexique dans l'occasion de célébration. 200 l'année indépendance à pays ça et puis sommet communauté état latino-américain. Réaction sous dossier déportation plusieurs haïtiens. Ancien sénateur Fresnel Denius Kwesi Mauvais la vie qui la cause haïtien continue à quitter pays. Ancien parlementaire quoi il m'a parfait honnête ni valet peuple haïtien. Fresnel Denius quoi tous ces résultats 200 l'année mauvais gouvernance à complicité gouvernement américain qui la que pays d'Haïti dans situation. Si là, un côté déclaration ancien sénateur Fresnel Denius dans micro Romanes samedi. Et de monde qui a cherché la vie meilleure et comme il dit que États-Unis c'est la terre promise, donc tout le monde a essayé et nous tout le monde ça a essayé diriger et vers États-Unis. Donc c'est avec un pile qui est serré, un pile tristesse et que n'a gardé compatriotes nous gens yoyé sous frontière là pile sous pile. Là au moment et coronavirus a fait rage, donc n'a pas gardé qui est à des promiscuités que yo même yo yé sans oublier risque que yo prend pour sortir Chili, pour sortir Brésil, pour traverser Mexique et parfois c'est dans le désert moi gagne un proche moi qui parmi moun sa yo qui a expliqué
Mais c'est un pile la prière. Non, c'est m'a fait parce que lundi, il est arrivé à Colombie, il a préparé pour la passer dans le désert. Moi, je me dis, mais vraiment, il pas connaît. Et c'est justement un terre inconnu que lui-même l'a rentré. Je pense que ça va faire honneur nous, et comme haïtiens. Et ça doit interpeller nous. Et pour nous-mêmes, et encore qui rete et qui croit dans le pays, ça, pour nous travailler. Pour nous voir comment na essayer mettre les balises, mettre les bases de l'autre l'état, de l'état qui gagne l'autre fondation côté a gagné beaucoup plus de justice, beaucoup plus d'égalité, ouais, de façon à ce que haïtien qui a senti que les bien dans pays et pour y vivre et tant pour nous. Bon, premier problème là, c'est la misère, son problème économique qui est lié. Et imaginons si nous avons gardé combien de monde travaille dans le pays et ça travaille pour qui salaire, il travaille, c'est ça aurait un chômage et déguisé. Et je dis avec dégradation économie, inflation, moun pas qu'à manger. Même les jeunes li aller l'école, li fait université, mais li pa ka joindre un emploi. Donc première motivation, son motivation économique que lié. Maintenant, et l'autre motivation parce que gen pile haïtien tout qui a quitté pays a pour yo aller vivre dans l'autre pays tant qu'en République dominicaine, tant qu'au Canada, tant qu'aux États-Unis, mais c'est des cadres que nous gagnons en d'un pays a qui formé, qui t'a travail, qui t'a gon salaire, mais cependant problème insécurité a, problème kidnapping non et problème banalisation la vie hein, et bien fait que et bien pour sécurité tête yo, pour sécurité et petit yo, famille yo, et bien yo obligé quitter pays a, et là ou ka comprendre et qui perte que Haïti fait 6h10. Un sénateur a qualifié inhumain décision autorité américaine yo prend pour déporter 4 haïtiens sa yo dans une période de crise Haïti a connait jeudi à la. États-Unis en tant que complice dans crise dans pas de pas courir pour résultat crise dans. On s'est parlementé à quand même cette autorité a prend responsabilité face à ses compatriotes sa yo. On écoute toujours au sénateur France Denis Hussa, toujours dans le collaborateur nous Romanes samedi. Et non, premier ça n'a dit l'étape inhumain. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, et nous sommes d'accord avec Moumanes, que les États-Unis li partagent la responsabilité avec des élites et que nous gagnons en Haïti, que ce soit élite économique, élite politique et intellectuelle, tout par et parfois passivité. Yo. Donc, là où c'est et haute. Et yon situation qui peut être préjudice et à de moun, et bien victime yo ou pas encore, et bien, à mettre abcès sous clou.